Madou est un grand habitué du grain. Tous les jours, ils prennent leur thé dans le même verre sans respecter les consignes de prévention liées au coronavirus. Tous les membres du grain contractent le coronavirus à travers le verre de thé infecté, sauf Amadou qui s'est tenu à l'écart et n'a pas voulu du thé. Le soir, Madou infecté prend le dîner avec Fanta sa maman. Ils mangent ensemble dans le même plat et se passent le même bol. Fanta aussi contracte le virus. Fanta dirige une entreprise de la place. Pendant la réunion de direction, elle éternue dans la paume de sa main avant de transmettre les dossiers à ses collègues. Tous ceux qui ont eu des échanges avec les personnes infectées se sont vus contaminés par le virus. Si Madou et ses amis avaient respecté les mesures de prévention liées au coronavirus, toutes ces personnes seraient épargnées du virus du COVID-19. Pour prévenir cette maladie, il faut respecter les consignes suivantes. Se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se distancier d'au moins 1 mètre de chaque autre personne autour de soi, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et le mettre à la poubelle après usage, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, désinfecter régulièrement les surfaces dont le contact pourrait faciliter la contagion entre personnes, éviter tout contact avec un sujet suspect ou confirmé. La transmission du COVID-19 se fait par une toux, un éternuement ou des postillons. Il est possible que les personnes infectées soient contagieuses pendant la période d'incubation. Le coronavirus affecte les voies respiratoires en s'attaquant aux poumons, rendant ainsi difficile la respiration. Cette pandémie est apparue en Chine en décembre 2019, puis s'est répandue dans le reste du monde. Respectons les consignes pour nous protéger et protéger les autres. Thank you.